Déjà, il ne faut pas oublier que ce joueur-là, il a participé à la montée il y a 2 ans. Donc, ça a été un des cadres de l'époque. Et aujourd'hui, il a eu sa blessure. Il n'est pas revenu encore tout à fait au premier plan. Parce que c'est vrai, quand une équipe tourne bien, c'est toujours compliqué de revenir. Toujours compliqué de retrouver sa place. Mais c'est un garçon, ceux qui on compte énormément dessus. Son poste, sa façon de jouer en 6 devant la défense est très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le marché aujourd'hui qui ont cette qualité. Donc, c'est une vraie ambition pour nous et pour lui de retrouver une nouvelle aventure. Je remercie à tous ceux du club qui m'ont fait confiance parce que voilà, c'est pas toujours avoir une blessure comme j'ai eu en sachant que j'ai pas fait beaucoup de matchs et de me faire confiance. Donc je pense que c'est mérité aussi par tout ce que j'ai fait pendant que j'étais blessé, de revenir en forme. Et voilà, c'est ça, je remercie au club, à mes agents aussi pour ce moment difficile que j'ai passé, mais voilà, ça donne plus envie de revenir en forme, de être avec le groupe. C'est déjà la continuité, c'est continuer à travailler avec des garçons qu'on connaît et qui se connaissent. Ouais. Donc déjà, garder une ossature de joueurs qui ont vécu déjà dans ce club depuis une paire d'années minimum. Donc ce qui est le cas aujourd'hui, c'est pour ça aussi que l'équipe tourne bien, parce que quand c'est des garçons qui se connaissent et qui commencent à avoir un petit peu de vécu ensemble, c'est beaucoup plus facile. Et après, quand on a une majorité de joueurs comme ça, c'est plus facile pour les nouveaux qui arrivent de rentrer dans le système. Donc c'est important pour le club de garder ces cadres et ces joueurs qui ont fait partie de cette saison et des saisons précédentes pour l'avenir. Mon objectif, c'était ça, de rester au club. C'est d'avoir la tête tranquille, et voilà, de travailler bien. Et après, je ne me prends pas la tête pour ça, je suis là pour travailler. Si j'ai la possibilité, si le coach m'a fait confiance, c'est parce que voilà, il compte sur moi. Donc c'est à moi de travailler, de continuer. Et dès qu'il y a une chance, une opportunité, c'est de prendre avec toute force et de montrer que je suis là.